Découpe un carré dans une boîte. Forme la lettre S. Fais un dollar. Colle des billets. On a une nouvelle œuvre d'art dans notre collection. Je vais vous la présenter, ainsi que la créatrice. On t'adore! Je peux avoir un autographe? C'est quoi toute cette foule? Je peux même pas voir les tableaux. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je comprends rien. C'est un véritable chef-d'œuvre! Oh, c'est tellement beau! Merci, c'est gentil de ta part. Tu veux sortir avec moi? Avec plaisir. On a trouvé un filet tout droit venu de Bikini Bottom. Découpe des parties pour en faire un sac réutilisable. Attache des patchs. Une brochette en bois a pris la couleur d'un arbre. On va avoir besoin de carton. Écrit « Sauver la planète ». Il faut protéger tous les êtres vivants. Acheter des légumes frais de la ferme. Tu utilises des engrais bio? Bien sûr! Je vais prendre ça. T'as besoin d'un sac? Pourquoi polluer la planète avec du plastique? Je vais pas acheter des sacs à usage unique. Ce sac est plus utile. Merci pour les légumes. Sauvez la planète! Je pense aussi qu'on utilise trop de plastique. Je suis d'accord. Il faut dire adieu au plastique à usage unique. Si seulement tout le monde utilisait des sacs réutilisables. Tu lis dans mes pensées. Je m'appelle Léonard. Caroline, ravie de te rencontrer. Je crois que j'ai trouvé la bonne. Regarde cette plage. Elle est couverte de déchets. On devrait aller nettoyer la plage. Et on apprendra à faire connaissance par la même occasion. Allons-y. Découpe du papier doré en plusieurs morceaux. Écris un mot romantique sur chacun. Roule les papiers. Remplis une bouteille avec les petits mots. Il y en a une qui a beaucoup de chance. Je t'ai préparé une surprise. Ouvre les yeux. Mais c'est le restaurant le plus cher de la ville. Je l'ai loué rien que pour nous deux. C'est pour toi. J'ai écrit 100 raisons pour lesquelles je t'aime. J'ai trop hâte de toutes les lire. Il reste un dernier mot. J'y crois pas, c'est une bague. Je veux qu'on soit ensemble pour toujours. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Retournons à nos expériences. Forme le fond de la bouteille. Colle une étiquette dessus. On a fait un bouchon en papier mousse. Des coquillages, c'est une bonne idée. Fabrique un écrin. Décore-le avec de la mousse. On y est. Il y a encore plus de déchets ici que je le pensais. Comment on va nettoyer tout ça? Suffit de piquer les ordures sur des bâtons et de les mettre dans le sac. C'est parti! Terminé! Caroline, t'as été rapide, comment t'as fait? Je vais continuer. Encore une bouteille. Et le bouchon ressemble à une bague. Je vais le prendre. Ce coquillage va aussi me servir. J'espère qu'elle dira oui. Qu'est-ce que tu fais? Je suis tombée amoureuse de toi la première fois que je t'ai vue. Veux-tu m'épouser? Bien sûr, Léonard! Je suis tellement heureux. J'ai besoin d'une magnifique robe de mariée. Fais un haut en mousseline de soie.
noue-le au milieu. Ajoute des manches bouffantes. Découpe une jupe. Waouh, elle a une traîne! Crée une ceinture avec une chaîne à straps. Ajoute un diadème. Olivia est parfaite. Je cherche une robe de mariée, quelque chose d'unique. On a beaucoup de choix. C'est très mignon, mais il me faut quelque chose d'incroyable pour mon mariage. L'argent n'est pas un problème. Il va falloir être attentif aux détails. Et maintenant, va dans la cabine d'essayage. Mais t'es une faiseuse de miracles! Et très riche maintenant! Je serai la plus belle des mariées! Caroline, mais qu'est-ce qui va pas? Tout est fichu! Mon mariage est aujourd'hui et j'ai toujours pas de robe! T'inquiète pas, la Lilou va t'aider! Fais un haut avec des morceaux de tissu. Perfect. Recouvre du papier avec des taches de café. Une jupe texturée, c'est un bon choix. Qui a commandé des bandages? Découpe des manches. Fais une ceinture avec un cordon. Fabrique des sandales. Transforme une lingette en voile. Il ne reste plus qu'à peindre la robe. Ouh ! La mariée est prête. Regarde comme t'es belle. Super, je suis prête pour mon mariage. Léonard et Caroline, je vous prononce maintenant mariée et femme. Il est temps de lancer le bouquet. Les amis, vous êtes prêtes? 1, 2, 3... Et qui a attrapé le bouquet? Scratty? Dessine des cœurs. Recouvre-les de papier mousse. Ajoute un cure-pipe autour. Ajoute une pancarte. Fabrique-en une autre. Colle des cœurs en papier mousse sur un fil. Décore des bouteilles. Tout le monde va s'amuser. Les invités comme les jeunes mariés. La cérémonie de mariage est terminée. Maintenant, on peut enfin s'éclater. Et on a préparé un jeu marrant. Celui qui met le plus de balles dans le panier gagne la partie. Raté! Maintenant, à mon tour. Oh, loupé! Mais mon bracelet a touché la cible! Oh. Ouais, les bijoux volent mieux que les balles, on dirait. Chérie, lance la balle! Coupe des brochettes en bois. On a des palettes. Ajoute une texture. Cette écorce d'arbre sera utile. Waouh, on a fait une feuille de papier avec. Forme un sac de graines avec le papier. Qui a demandé une fée des fleurs? Il nous faut des fleurs séchées. Qu'est-ce que nos pauvres jeunes mariés ont en tête? C'est l'heure d'offrir les cadeaux. De belles fleurs vont pousser à partir de ces graines. Merci, Laura, ce sera utile. Une photo? Mais où la faire? Le paysage est pas terrible. Je vais arranger ça. Voilà, ce sera la base de notre parterre de fleurs. Et j'ai les graines. Il n'y a pas beaucoup de fleurs.
Tu m'as aidé à organiser mon mariage. Alors, je vais t'aider à faire une zone photo sympa. Waouh, Skreta, j'en crois pas mes yeux. Souriez. Ce mariage fut une véritable réussite. Prends de la pâte à modeler. Forme une assiette. Puis un délicieux homard. Colorie-le avec des pastels. Les huîtres, c'est un mets délicat. Fais des feuilles de laitue avec du papier mousse. Mets tout dans l'assiette. Et fais-les briller. Délicieux. Le camping, c'est tellement romantique. Je suis fatiguée, j'ai faim et je veux prendre un bain. T'as apporté le déjeuner, chérie? J'ai apporté tout le nécessaire. Mais où est la nourriture? Je suis pas habituée à vivre dans la forêt. Je vais m'occuper de tout. Tu livres jusqu'ici? Thank you. Le voilà. Vous avez commandé à manger? On est sauvés! Bon appétit! Des homards et des huîtres. Ça, c'est un pique-nique parfait dans la forêt. Ouh, une araignée! Cette lune de miel en forêt est tellement romantique. Léonard, on devrait escalader cette falaise pour mieux voir le paysage. Mais comment on va monter? La magie de Lalilou va nous aider. On va avoir besoin de ficelles et de quelques branches. On a maintenant un hamac d'escalade. C'est pas magnifique ici? Mais c'est quoi ces cris? Quelqu'un appelle à l'aide. Salut, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste une araignée! J'y crois pas, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. On serait pas sœurs? Découvre bientôt la suite de l'histoire des jumelles riches et fauchées sur Lalilou.